Écoute, moi je suis Vincent Arisdo, je suis danseur et professeur et chorégraphe et je passe une grande partie de mon temps dans la recherche et dans la formation des jeunes danseurs puisque je dirige ici à Bordeaux un centre de recherche chorégraphique dans lequel nous accueillons des danseurs, des artistes, des Allemands pour essayer de faire le lien entre la danse, l'art et le sacré. Notre objectif principal est surtout d'ouvrir un espace de travail à toutes les personnes qui recherchent justement un lien avec la danse et qui sont un peu isolées par le système ou qui sont un peu isolées par leurs conditions économiques ou leur situation géographique. Nous avons ici un espace pour les accueillir. Je suis d'origine africaine et qui hérite de la conséquence de Berlin, de la conférence de Berlin sur la participation de l'Afrique et je vis en France depuis plus de 45 ans maintenant, donc pour l'appartenance culturelle que, dans lequel j'essaye de mettre les deux en lien pour mon travail. Le centre est à Bordeaux, je suis à Bordeaux, mais je travaille essentiellement en France, en Italie, au Bénin et un peu partout en Europe et également en Allemagne, dans lequel je suis des projets de formation et d'accompagnement chorégraphique. Mais la base de mon centre est à Bordeaux, en France. Alors, je travaille avec toutes sortes de publics. Alors, dans un premier temps, toute ma partie pédagogique, elle s'adresse donc à des futurs enseignants ou à des danseurs professionnels. Et étant donné que je revendique un travail que j'ai hérité justement de ma culture, c'est-à-dire aller utiliser la danse comme prétexte pour le lien social. Je suis régulièrement amené à travailler avec des publics vulnérabilisés. Je travaille avec une association qui s'appelle Art, Migration et Souffrance. Je travaille également avec des personnes qui sont à la recherche d'un chemin, non pas de chemin de vie, mais plutôt un chemin d'accompagnement à la fois lié au sacré, mais aussi à essayer de reconnecter leur vie avec le système qui a tendance à les couper un peu du monde dans lequel nous vivons. Dans ta biographie, dans ton formation, comment est cette expérience de trafic entre l'Europe, l'Afrique et aussi l'Amérique du Sud, ne? Comment se sent? Je sais que dans chaque continent, il y a des diverses populations, mais comment tu peux décrire un peu brièvement ces trois espaces géographiques? Alors, assez paradoxalement, moi, mon expérience en Amérique du Sud, pour moi, a été beaucoup plus significative que l'expérience que je mène ici en Europe. Je suis malheureusement obligé de constater qu'en Europe, j'ai souvent affaire à des personnes qui sont dans une relation de consommation de la danse, alors que mes expériences en Colombie, au Mexique, et en Équateur, m'ont permis plutôt de rencontrer des gens pour qui la danse était quelque chose d'essentiel, la danse qui était plutôt intégrée dans leur vie. Et moi, je suis plus à la recherche de ce public-là. Il m'arrive d'en rencontrer de temps en temps en Europe, mais pour moi, l'expérience en Amérique du Sud était beaucoup plus en adéquation avec mes origines africaine et l'utilité et le rôle de la danse. Ici en Europe, je me retrouve souvent face à une condition de travail qui est plus économique et alimentaire que philosophique et de conviction. Merci. Toutes les questions que j'ai posées, tu as parlé ici. Tu peux décrire un peu comment tu travailles dans tes classes. Tu as déjà parlé que tes classes sont bien diverses avec des différents publics, mais tu peux quand même parler un peu des différents publics. Mais comment tu travailles dans tes classes? Comment tu transmis? Comment est ton méthode de transmission de données? Ton savoir de partager avec élèves. Alors moi, je suis quelqu'un de très pragmatique parce que, étant donné que je viens d'une formation à la fois traditionnelle et académique,
je mélange les deux. Je prends ce qu'il y a de plus intéressant dans les deux formations, c'est-à-dire la préparation du corps, la connaissance du corps, et surtout de ce que j'ai hérité de ma culture, c'est plutôt le corps comme un instrument au service de la danse. Et donc, c'est d'abord un travail sur le corps et ensuite un travail sur la danse. Et ça, ça passe par une préparation et à la fois anatomique et aussi de l'esprit. C'est d'abord, pour moi, former quelqu'un en danse, ce n'est pas seulement former le corps, parce que c'est aussi former l'esprit. Parce que nous parlons souvent, en France, on dit avoir la tête sur les épaules ou avoir les pieds sur terre. Et en Afrique, on dit avoir les pieds sur terre, c'est avoir des racines. Et pour moi, la racine, elle commence d'abord par le corps. C'est le corps et la racine pour la danse. Et on commence d'abord par former ce corps et de quoi on le nourrit d'abord. Je ne travaille pas à partir de mouvements, je travaille à partir de réflexion. L'idée, c'est de rompre avec cette histoire que l'Afrique n'a pas d'histoire et qu'on n'écrit pas la danse en Afrique, ce qui est certainement vrai, mais qui est faux dans le sens où les danses en Afrique sont écrites à partir de dessins, à partir de sculptures, à partir des images. Et moi, je travaille beaucoup à partir des images. Tout mon travail est basé sur 152 images, 152 sculptures qui représentent un petit peu les passages de la vie dans la tradition vers la modernité. Donc, moi, je travaille essentiellement à partir de sculptures, d'images et de la conception d'un sculpteur qui dessine une ligne, qui termine sa ligne et qui est conscient de l'objet qu'il reproduit. Et pour moi, le corps, à un moment, devient un instrument au service de la danse. Merci. Alors, quand tu parles de ta culture, tu as un rapport plus fort. Je ne sais pas comment est ta vie. Toi, as déjà vécu 45 ans en France et des autres en Afrique. Mais pour toi, dans ta santé personnelle, existentielle, c'est très fort les racines, n'est-ce pas? Tu peux parler un peu de ça? C'est-à-dire que moi, mon rapport à la danse est un rapport à la fois à ma culture. Mais déjà très jeune, ma culture, elle était déjà divisée en deux, puisque dans ma maison, il y avait déjà mon grand-père qui était animiste et ma mère qui était catholique. Et mon père qui était catholique. Donc, dans notre maison, nous avions déjà cette confrontation de culture entre l'église et le temple. Donc, quand je suis arrivé en France, c'était exactement la même chose entre ma culture animiste et ma tradition académique dans laquelle j'étais plongé ici. Donc, j'ai toujours réussi à composer avec les deux éléments. Alors, pendant ces périodes de COVID, comment t'as changé ta routine de travail? Comment ton manière de création, né? Ta façon de création, et aussi les classes, né? Parce que cette situation de présence corporelle, de collectif, de ces éléments de matérialité, comment tu travailles avec ça dans les COVID? Moi, je vais te décevoir. Pour moi, la période du COVID a été pour moi plutôt une période de réflexion et une période d'introspection pour remettre le sacré au milieu de mon travail. Et pour moi, je n'ai absolument pas accepté de donner des cours par vidéo parce que ce serait à l'encontre de ma conviction qui est pour moi la danse qui est un lien social. Et lorsque le COVID me met dans une situation de rupture de ce lien social, je ne vois pas trop quel est l'intérêt de mon travail à ce moment-là. Donc, je me suis plutôt recentré sur le travail de réflexion sur le corps et l'esprit et non pas sur le corps et le physique. Parce que le COVID a été un moment où le physique n'était plus en action, mais par contre, l'esprit était toujours présent. Donc, j'ai profité de ce temps pour plutôt attirer mes élèves qui suivent mon travail sur plutôt des lectures, plutôt d'aller à la recherche de documentation
autour des grands mouvements de danse qui sont nés à partir de rencontres et de vies, justement, dans des situations de confinement, puisque les grands mouvements de danse se sont toujours créés dans des espaces un peu confinés pour venir ensuite à la rencontre du public. Donc, moi, je me suis tout simplement conforté dans cette situation de forcée par le Covid pour plutôt me plonger dans le sacré et encore plus dans la réflexion. Je n'ai pas donné de classe, ni par vidéo, ni en présentiel, mais par contre, j'ai beaucoup accompagné dans la lecture et dans la parole. Merci. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation de COVID? Est-ce qu'il a une signification pour toi, pour ton travail? Tu as parlé de ta réflexion, mais je voudrais savoir si pour toi, est-ce qu'il y a une crise, un enseignement? Qu'est-ce que c'est pour toi, pour Vincent? Alors, pour moi, il y a deux niveaux dans cette situation. Il y a deux niveaux, c'est-à-dire il y a le niveau politique où cette crise nous a permis de comprendre que dans un pays comme la France, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont jamais éclairé quelle est l'institution qui dirige la danse. Ils ont découvert qu'ils ne connaissent pas la danse. Ils sont au courant seulement de la danse du conservatoire et de la danse de l'opéra. Mais tout ce qui se passe à côté, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont jamais statué pour savoir quelle est l'institution qui s'en occupe. Ça, c'est la première des choses qui nous a révélé le Covid. Et du coup, ça nous met dans une situation où aujourd'hui, on se demande quelle est l'institution qui dirige la danse, l'enseignement de la danse en dehors des conservatoires et de l'opéra de Paris. L'autre chose, c'est cette situation nous a permis aussi de réfléchir sur ce mode, ce mouvement d'accélération, ce mouvement de consommation, ce mouvement de débauche d'image. Et pour moi, je m'inscris un peu en faux parce que ça a accéléré justement cette espèce d'abondance d'images que nous avions déjà sans jamais prendre le temps de réfléchir. Et je crois que la conséquence de ça, ça va être vraiment de encore plus aller vers la réflexion, aller encore plus vers la façon de se retourner et d'aller vers les autres. Une très bonne leçon de ce Covid, c'est aussi cette tentative de solidarité entre les gens. La preuve en est qu'aujourd'hui, je peux parler avec vous à l'autre côté, l'autre bout du monde. Et alors qu'en temps normal, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire. Merci. Pour le public sud-américain de la danse, tu as parlé de cette question de la danse hégémonique en France. Je croyais qu'en France, c'était valorisé, cette image de multiculturalité. Je croyais qu'on avait une valorisation. Qu'est-ce qui se passe même? Vous n'avez pas aucun type de soutien de l'État, c'est le contexte au niveau politique, le contexte de COVID vient démontrer qu'il s'est totalement et complètement marginalisé, pas de soutien, pas de reconnaissance, c'est ça? Seulement parce que on est pour mieux comprendre. Alors, ça se situe à deux niveaux. Il y a deux niveaux dans cette histoire. Parce que, par exemple, des personnes comme moi, qui sommes plus ou moins à la marge du système, nous pouvons bénéficier de l'aide. Parce que, étant donné que moi, je suis un artiste reconnu avec une structure qui fonctionne et avec des modes de spectacle et des choses comme ça, nous avons pu avoir des aides. Mais tous les autres qui ne sont pas dans le système ou qui sont à côté du système sont des personnes qui se sont retrouvées dans une situation sans aucune aide. Lorsqu'on parle de l'aide de l'État, l'aide de l'État s'adresse déjà à des personnes qui sont déjà repérées par le système. Mais ceux qui ne sont pas repérés par le système n'ont aucune aide.
Et une question plus générale, entendre parler de géopolitique, comment est-ce que tu vois, tu sens cette valorisation autour du monde des danses de racines africaines et en Afrique? Comment c'est l'écho de la valorisation, l'écho, les sons, né? Comment ils résonnent? Comment les sons de cette valorisation en Afrique? Comment tu sens? Comment on interprète qui travaille avec l'animisme en Europe et en Afrique? Tu es reçu, ton travail est reçu. Comment sont ces dialogues avec l'Afrique? Alors, moi, je suis un petit peu à l'écart du mouvement national et international, parce que moi, je retourne en Afrique tous les 2 mois où je travaille avec les danseurs africains pour les former justement à ce que j'appelle l'écriture contemporaine de la danse. Mais le problème que nous avons, c'est que la danse africaine en Occident est basée sur un très gros malentendu. Et ce malentendu renvoie à l'Afrique une image de l'Afrique musée, de l'Afrique folklore de l'Occident. Et je ne suis pas sûr que les Africains se reconnaissent vraiment dans ça. Mais malheureusement, le pouvoir économique de l'Occident fait qu'ils subissent plutôt cette image de la danse et de cette valorisation un peu outrancière qui est faite de la danse africaine en Occident. Je pense qu'il y a des mouvements qui commencent à naître. En Afrique de l'Est, c'est beaucoup plus sérieux. En Afrique du Sud, c'est beaucoup plus sérieux. Tous les pays africains qui dépendent un petit peu des anciens pays colonisateurs sont dans un rapport de soumission et d'un rapport de singerie de l'image que l'Occident veut bien que l'Afrique reproduise de la danse. Mais la population noire et de scientifiques, population, c'est très forte. C'est très forte la racine noire ici à Bahia. Alors, je voudrais savoir si tu as quelque chose pour partager avec Argentine et avec Brésil, avec Bahia spécialement, qui a un univers plein de recherche en danse africaine, de racines africaines, à travers les candomblés et dans les candomblés rituels, et aussi dans l'université, l'académie, dans les spectacles. C'est un flux très grand, mais plein de chercheurs noirs qui recherchent des mouvements ancêtres, des ancêtres. Ah, si tu as quelque chose pour parler. Mais moi, je sais ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'avais déjà initié un projet de venir en Argentine avec Caroline. Parce que pour moi, c'est le moment d'amener la notion d'universalité de l'animisme un peu partout et de recoller aussi avec les racines des populations qui ont été écartées par l'esclavage. C'est de reconnecter avec eux parce que ces populations ont conservé une mémoire. Que ces mémoires, il est temps que nous réactivons ces mémoires-là et que nous, Africains, nous allions aussi vers ces populations pour réapprendre avec eux des choses qu'ils ont gardées, que nous avons perdues à force de courir après l'Occident et la richesse de l'Occident, alors que les populations d'Amérique du Sud ont conservé ça pour justement rester collées avec l'Afrique. Les Africains aujourd'hui sont dans la course à la possession, alors que les Américains du Sud sont dans une course à être quelque chose. Les Africains veulent avoir et les Américains veulent être. Et je pense que nous pouvons aujourd'hui aller à la rencontre de ces cultures-là pour partager nos expériences et nos mémoires. Parce que nous avons tous une mémoire qui est toujours présente et c'est plus que jamais le temps de partager ces mémoires-là. Et moi, ce qui m'intéresse justement quand je veux aller en Amérique du Sud, c'est aller rencontrer ce qui est resté, aller apporter ce que j'ai gardé et aussi apprendre avec eux ce qu'ils ont conservé qui est devenu pour nous accessoire parce que nous sommes toujours à la recherche de la modernité au risque de perdre l'essentiel. Merci. Donc le caractère universel de la culture n'appartient pas à l'Afrique, il appartient au monde.
les éléments, l'animisme, ce n'est pas de la religion, c'est plutôt une culture, c'est une façon de vivre. Et respecter la nature, c'est être animiste. Et respecter les éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, et c'est ça que moi je recherche dans mes rencontres avec les personnes, apprendre aux gens à respecter la nature. Et quand on est capable de respecter la nature, on est capable de respecter la vie humaine. Merci, Vincent. Bon, je crois qu'on peut finir, mais si tu as une autre chose pour parler. Non, merci. Pour moi, ça va. C'est merci, tu dois être très précis, profond. Merci beaucoup.